porte, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'il disparaisse avec le fric. Faut sortir la grosse artillerie, là. On peut passer chez Harry, ou alors on se les fait là, tout de suite. C'est toi qui décides. Et vous ne voudrez plus sortir de chez vous. Vous cherchez un truc spécial? Une arme sans munitions, ça sert à rien. Revenez quand vous voudrez. Ça, c'est bien. C'est un excellent choix pour de l'autodéfense. À très bientôt. Plaisir. Offrez-vous la taille maxi et vous ne pourrez plus sortir de chez vous. T'as un problème avec les feux rouges? Désolé, messieurs, c'est réservé aux membres. Tiens, la v'là ma carte de membre. Mais putain, Joe, un peu de discrétion! J'en ai rien à foutre! T'as vu ce qu'ils ont fait à Henry? Putain, Joe, avec un personnel con, il va mourir! Ferme-la et aide-moi! Descends le gars derrière le bar! Secours! Allez, jusqu'au dernier. Allez!
Avancez, avancez, bande tenace! Crève, fantôme! Attention! Il y a des tireurs en haut! Où il est passé? À l'épaule! On va se le choper! Allez! Où vous avez appris à tirer aussi mal? T'aurais pas dû m'énerver! Mal. Juste entre tes sales yeux bridés. Allez, Vito, on continue. Vous avez pas fait chier les plus tendres. Il a un flingue. Le type, dans l'escalier. Là-haut, derrière la fenêtre. D'où ils sortent tous comme ça? Il en reste encore quatre, Vito. Calmez-vous, sale gnome. Les deux, et ce sera bon. Crève, espèce d'enfoiré! Arrête-toi de les tuer, Vito! Faut qu'on trouve Wong! Allez, Vito! Reste pas là! Merde! Attention, il y en arrive d'autres! Est-ce que ça va? Oh. Tu peux marcher? Passe devant, Vito. Tu fais une plus petite cible. Merci, gros cul. Hé, hey, c'est bien toi qui voulais qu'on soit malin, non? Viens là, Marco Polo! Dites à votre chef que j'arrive! Thank you.
Attends, tu m'en laisses un peu si tu te tues. Faites vos prières, yeux brûlés. Où il est, cet enfoiré? Il est forcément quelque part par ici. On va le trouver. Allez, monsieur le caïd! On est tombé sur une famille nombreuse. Ok, c'est pas grave, j'ai plein de munitions. Putain, je vais finir en bouillie. Les deux, et ce sera bon. Allez, Vito, on bute tous ces connards, jusqu'au dernier! Toute ta famille va mourir! Pas de bruit, Vito. Depuis quand ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi? Ils sont trop nombreux. On va la voir tout en finesse. Pas de bruit, Vito. Depuis quand ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi? Ils sont trop nombreux. On va la voir tout en finesse. C'est tout ce que tu sais faire? Mal, hein? Oh, Vito, bouge-toi!
l'ascenseur! Ces gars, c'est comme des putains de cafards! J'ai presque plus de balles! Tu vas finir en bouillie! Crève, fantôme! Alors, c'est pas mal jusqu'ici, non? Ouais, et si quelqu'un nous reconnaît et en parle à Carlo? C'est pour ça qu'il faut pas laisser de témoins. Il doit y en avoir d'autres en bas. T'es prêt? T'es mort, sale enfoiré de bridé de mes deux! Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. J'étais obligé. Votre ami travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer, là? Notre contact au bureau fédéral des narcotiques m'a prévenu qu'Henri Tomasino les tenait informés. T'es un putain de menteur! Oh là, oh là, oh là, tu dis qu'Henri était un indique? Oui. Mais plus maintenant. Connerie. Ça rime à rien! Et tu vas nous dire aussi que t'étais pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque? Juste devant notre usine? Non, c'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. T'es malade? Tu voulais faire quoi? Laisser partir, peut-être? Il aurait pu nous en dire plus! Mon cul! Il aurait dit que dalle! C'est des durs à cuire, ces mecs!
On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. Qui vont rester fermés un bon bout de temps. Si on avait eu le temps, j'aurais aussi foutu le feu. Vito, viens voir. Ça doit être la sortie. Ah, fais chier! Allez, Vito, on se tire d'ici! Ils sont trop nombreux! Trouve-nous une caisse! Vite! Ce type est taré! Il faut qu'on le neutralise! Ouvre-moi, Vito! Sors de ton trou, sale rat de merde! C'est bon, ils sont plus là. Ramène-moi chez moi, Vito. J'ai besoin d'un bon verre. Ça a bien merdé, hein. Ramène-moi juste chez moi. D'accord. C'est le coup le plus foireux de toute ma vie. Et de la mienne aussi. Henri est mort. On n'a pas le fric de Bruno. Et on a tué les Tongs. S'ils croient qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisés. Ouais. Et si Carlo découvre que c'est de notre faute. Tu crois qu'Henri était un indique ? Jamais de la vie. C'est des conneries. Bon, d'abord, faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te voir. D'accord. Hé, hey, Vito! Sois prudent.
Vito, t'es prêt? Comment tu veux que je sois prêt? Tu me tires du lit, Joe. Alors lève-toi en vitesse. Si on trouve pas de l'argent pour Bruno aujourd'hui, on est baisé. Ouais, mais où tu veux qu'on trouve 55 000 dollars? En tout cas, on n'y arrivera pas en restant au lit. Et puis, j'ai peut-être une idée. Un boulot pour Eddie avec un paquet de thunes à la clé. Ah ouais? Je passe te prendre. Habille-toi. Prends ton flingue et attends-moi devant chez toi. Je te raconterai en chemin. J'espère que c'est pas encore une de tes idées de génie, Joe. Hé, je suis pas d'humeur. Ah ouais, bah on est deux comme ça. Ouais, d'accord. Bon, t'es partant ou pas? Ouais, d'accord. Tu seras là dans combien de temps? Je t'appelle de l'armurerie du coin de la rue. Je suis chez toi dans une minute. Ok, je t'attends devant chez moi. À tout de suite. D'où tu sors cette caisse de luxe? Ouais, Eddie nous la confie pour ce coup. Tiens, conduis, j'ai encore la gueule de bois d'hier soir. On va à Greenfield. Toi aussi, t'as une super gueule de bois? Ouais, j'arrivais pas à m'endormir, alors je me suis prescrit du whisky. Emmène-nous à Greenfield. D'accord. Bon, tu me dis de quoi il s'agit maintenant? Un coup archi simple. On va là-bas, on descend un type et on vient. Ça va être du gâteau. Pourquoi? Eddie dit qu'on rend service à une famille d'une autre ville qui a un truc en suspens. Il m'a donné cette enveloppe avec toutes les instructions. Il veut que ce soit fait aujourd'hui et proprement. Et pourquoi l'autre famille règle pas ses affaires elle-même? Eddie dit qu'il cherche le type depuis un moment et qu'ils viennent de le trouver. Ils ont peur que s'ils attendent, le type leur échappe encore. Tiens, voilà une photo de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait? Il a balancé sa famille aux fédéraux. Il a que ce qu'il mérite, après tout. Mais, attends un peu. S'il a coopéré avec les fédéraux, ils ont dû le mettre sous protection, non? S'il l'est encore? Même s'il l'est, on sera payé quelques plaques pour ce coup. Alors, ça compense les risques. Si tu le dis. Mais, je te rappelle qu'on a un peu besoin de fric, là. Alors, on fait ce coup, puis on se sépare pour trouver d'autres coups rapides. D'accord. Et ça dit aussi qu'il faut qu'on lui donne un message avant de quitter. Tiens, il est là. Ok. Hé, si tu vois Ellie plus tard, surtout pas un mot sur la journée d'hier. On n'était pas là-bas. Le dernier bridé qu'on a vu, il nous servait d'énem. Pige ? Ouais, tu me prends pour qui, un débile congénital ? Le jury délibère encore sur ça, mon pote. Mais je voulais juste que tu fasses pas de gaffe, c'est tout. Colle une amende, monsieur. Merci bien. Je veux pas vous revoir dans les parages. Ce que t'as à dire? Ouais. D'accord. On est arrivé.
Monsieur Angelo ? Ouais. Monsieur Salieri, vous salue bien. J'avais dit que c'était du gâteau. Pas si vite, regarde. Ces types là-bas. Merde ! Allez, allez, allez ! On va traîner ici ! On finit à la main. Ici la Farfox. Demandons des renforts à Greenfield. Magnez-vous, putain ! Faites crever ! C'était des fédéraux. Ce connard était vraiment sous protection. Ça ressemble bien à Heidi de laisser compter ce genre de petits détails. Vous savez peut-être pas. Enfin, ce qui est fait, fait. Police, mais... Putain, on l'a échappé belle. Ok, dépose-moi à Sand Island. J'ai une voiture là-bas. Comment on fait pour l'argent ? Oh, j'allais oublier. Eddie m'a payé d'avance. Tiens, on l'a ta part. T'as pas vu que le feu était rouge ? Allez, bonne chance pour trouver ta moitié du fric. Passe chez moi quand t'auras fini. Ok, on se voit chez toi.
Vito ! Eh, merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pourquoi ? Franck organise une grande réunion avec d'autres chefs et il a pris tous mes gars comme garde du corps. Alors j'ai plus personne pour faire ce petit boulot. Derek, ces gars refusent toujours de bosser. Quoi ? Pourquoi ? À cause du feignant que t'as viré. Merde ! Bon, Vito, l'autre boulot peut attendre. Tu peux nous donner un coup de main pour ça ? Raconte. Ben, y a cette feignasse qui est pas venue travailler toute la semaine, soi-disant qu'il était malade. Mon cul, ouais. Alors, je l'ai viré. Et ses potes sont en colère, ils menacent de faire grève. Il faut juste que je fasse mon numéro avec quelques gars qui connaissent leur... Ça va leur faire peur et ils se calmeront. Je te file 1000 billets pour ça. T'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. D'accord, je vais pas cracher sur autant de fric. Parfait. T'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. Pas vrai, Steve ? Peut-être. Non mais ils se prennent pour qui ces putains d'enfoirés ? Et c'est pas la première fois qu'ils me font des problèmes, ceux-là. T'as une idée du nombre qu'ils vont être ? 3, 4, 10, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça change rien. Non, non, c'est juste, qu'est-ce qu'on va leur faire ? Disons que ça dépendra de l'issue des négociations syndicales. Surtout, laissez-moi parler. Si vous l'ouvrez, ils vont piger qu'ils ont affaire à une bande de guignols. Bon, c'est quoi votre problème, les gars ? On exige que tu réintègres... Dis-moi ce qui décide qui on engage et qui on vire ici. Et lui, il est viré. Et nous, on exige que tu le reprennes. Il a une famille. Il doit bosser. Ma décision est prise. Tu vois ? Je te l'avais dit. Reste calme, Vinny. On a dit pas de violence. On se crève le cul tous les jours pour ce gros enfoiré. Et si un jour on a un problème, il nous virera exactement Change comme il a viré ton, John. Tu veux, petit ? Je veux plus entendre un seul mot au sujet de ça. C'est qui que tu traites de feignasse ? Une caisse lui est tombée dessus pendant qu'il... Pour toi, il a les deux mains pétées. Ben ça, c'est son problème, pas le mien. Et maintenant, vous reprenez le boulot avant que d'autres mains soient pétées. T'es une espèce d'enfoiré ! Là, les gars, vous commencez à me faire chier. Pas la peine d'être violent. Allez, baissez ça. On cherche pas les ennuis. Ben, on dirait vraiment pas. Pour moi, vous êtes dans la merde, ta crétin. Bon, tous ceux qui veulent pas se retrouver au chômage, je vais vous voir au boulot d'ici 10 minutes. Tu vois, Vito, il se plaigne Vito, c'est quoi ? Vito Scaletta, c'est toi ? Ton père nous a souvent parlé de toi. Tu lui ressembles. Mais qu'est-ce que tu fous à bosser pour ce fils de pute ? Après tout ce qu'il a fait à ton père ? Ferme ta gueule, putain. Écoute pas ce connard, Vito, c'est un menteur. Viens, allez. Un menteur, hein ? Cette espèce de salaud a tué ton père, Vito ! Ils essaient de te monter contre moi, Derek. Hey, pointe pas ce truc-là sur Demande moi. Demande au patron comment ton père s'est noyé ce soir-là. On l'a vu quand il est parti avec Steve. Mais Steve est revenu seul. Arrête de pointer ce truc-là sur moi ! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, Derek ? Qu'est-ce que t'as, t'es dingue ? Tu vas croire qui, moi ou cette bande de futurs chômeurs ? Ça fait un bail qu'on se connaît, Vito. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi t'étais trempé, Steve ? T'as plongé parce que tu voulais te sauver ? Abruti ! Ferme ta gueule ! Vito, rappelle-toi ! Ton serment ! Notre loyauté va d'abord à la famille avant d'aller à nos parents. Va dire ça à ma mère. Hé, je le descends. Non, pas ici. On réglera ça plus tard. Là, tu m'as déçu, Vito. Vraiment déçu. Je peux te dire que j'ai pas fini de te décevoir, Derek. Ton père... Pas maintenant. Il faut que je le chope avant qu'il s'enfuie. Allons donner une leçon à ce salaud. Où t'as pris ça ? Et puis merde !